vous auriez pas du feu par hasard. Enfin, le coup du briquet, tu connais, classique. Parce que t'es pas du tout mon style, pardon, hein, mais j'aime les grandes blondes avec des gros seins et tout, donc je suis tellement pas tenté, là. Je vais quand même prendre ton numéro pour un pote. Ouais. Moche. Bonsoir, ma chérie. Bonjour, maman. Vous êtes Thomas ? Là, c'est son père. Il a pas lâché son écran depuis 3 mois. Thomas et moi, on va se marier. C'est fabuleux, je suis trop contente. Je vais vous éteindre. Moi, je pense qu'au-dessus d'un certain âge, on devrait quand même repasser son permis. Je pense qu'au-dessous d'un certain âge, on devrait un peu fermer sa gueule. On dirait qu'il est en pleine dépression. J'en ai marre de cette maison, de l'autre qui me les casse, là. Les baguettes, elle mange tout avec des baguettes. C'est plus pratique pour manger. Non, c'est 2 putains de bouts de bois. On n'est pas en Chine. Putain, canapé de merde, là. Putain, sa couleur, c'est même pas une couleur, c'est un message. Un message qui dit, viens voir des chiffres et des lettres, viens voir d'Eric. Si tu veux avoir une vie digne de ce nom, te marie pas. Ma fille, ma femme, c'est tout des casse-couilles. Dans une semaine, ça va être... Nouveau chez nous. On a la couille, on n'a pas de chez nous. Je vais te parler d'un truc. Ce serait peut-être l'occasion de s'acheter un chez nous. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, là? Et je me barre. Sur les marrons. C'est pas ça, la vie. C'est un malade. Bon, allez, on se fait une sortie ce soir. Retour à l'adolescence, quoi. Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. M'amuser un peu et profiter. T'as plat, ma chérie. D'ailleurs, j'ai commencé à me trouver des petits plans cul. Ok, maman. Moi, j'en ai ma plaque. J'en peux plus d'avoir affaire à des gamins. Hey, les gars, c'est pas du shit. Mais putain, Gilbert, ils ont 8 ans.